Mais bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire deux vidéos distinctes, mais je vais parler de deux sujets en même temps. Ouais. À cause de la sale fois, on dit, je suis un vendu. Oh, j'essaie juste de rétablir la vérité. Voilà, j'essaie juste d'être un peu juste, quoi. Parce que quand tu es quelqu'un d'intègre, quand tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeur, tu ne peux pas laisser faire certaines choses, en fait. Tu ne peux pas cautionner certaines accusations, certains mensonges et tout ça. Je vais vous mettre une vidéo. Et après, on va en parler. Et plus tard, je vais réagir sur la défaite du Mali face à la Côte d'Ivoire. Visionnez la vidéo. Bon retour famille, bon retour. J'espère que vous allez très bien. Merci pour vos partages, merci pour ceux-là qui likent et qui partagent mes publications. Merci beaucoup. On est ensemble. Bon, vous avez bien avant même cette vidéo que vous venez de regarder là. Ça disait que Assalfo mangeait tout seul, ne pensait pas aux autres artistes et tout ça. Et comme Dieu ne dort pas, Tamsi et la team Paya à la tête Zaba les Requins sont allés rendre visite à leur aîné Assalfo, à leur grand frère Assalfo, qui leur a prodigué beaucoup de conseils. Et qui a promis de les aider. Et vous allez voir qui va les aider. Vous savez, aider un artiste, hein, c'est pas seulement sur la canne. Hein. Assalfo, c'est une autre dimension. Assalfo, c'est beaucoup de connexions. Assalfo, c'est un carnet d'adresses très fourni et très rempli. Donc même si c'est pas dans la canne, il va les aider forcément. Parce qu'après le succès phénoménal, on va dire planétaire même du coup du bateau des Tamsi, quoi de plus normal de les aider et de façon franchement désintéressée, avec beaucoup, beaucoup de fierté, parce que c'est son petit frère. De ce showbiz ivoirien là, de cette musique ivoirienne là, qui valorise les couleurs du pays à l'international et aussi en Afrique. Bref, on dit à Salfo, je suis Tamsi. Et ce qui m'a le plus découragé, cette publication là vient d'un gars que j'apprécie énormément. Il s'appelle Cisco KGB. Mon vieux, je ne pas dit grand frère, avec tout le respect que je te dois, hein, voilà. Je sais que tu me vois souvent sous tes commentaires, je valide, je dis bon, j'ai bien signé les coups et tout ça. Je t'accordais tellement de crédibilité que quand je t'ai vu faire cette vidéo au ralenti, sans même faire écouter les propos qui ont été dites. Un propos, non, mais une propos. Bon, les propos qui ont été dits, ça peut arriver, hein, voilà. Nous tous, on se trompe. Quand j'ai dit dans cette vidéo-là, allume la télé avec Jean-Michel Aulnay, tu vas comprendre que ta vidéo. Pour inciter à la haine contre le grand frère Salfo n'a pas lieu d'être. Parce qu'il y a un acharnement médiatique contre le gars. Mais comme Dieu est dans son affaire, vous voyez qu'il prend, il prend ça toujours avec de la hauteur. Petite parenthèse avant de poursuivre dans ce sujet-là. Vous savez, avec l'histoire des 49 soldats, où après il a retiré son poste, je vois des personnes dire qu'il doit faire des excuses publiques. Oh, arrêtez-moi ça. Parce que vous savez que qu'il fasse des excuses publiques ou non, ça ne va pas changer ce qui est dans la tête des gens, ce qui est dans le cœur des gens. C'est une haine que les gens ont contre lui là. Ça ne va pas changer ça. Donc, dès lors qu'il retire le poste, je pense que c'est un minimum de respect, c'est un minimum de considération. Sinon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il pouvait laisser ce poste-là et ça, là, rien changer à sa vie. Ça pouvait rien créer même. Parce qu'il y en a ici sur la toile qui ont fait pique et ça, c'est pas allé quelque part. Vous comprenez un peu, non? Donc, dans cette vidéo-là, le grand Cisco KGB nous invitait à comprendre qu'il y a une machination contre Tamsi. Je sais pas pourquoi. Faire ce genre de poste-là, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Donc, le succès de Tamsi, pour ne pas dire le succès d'un morceau de Tamsi, va faire que Assalfo, c'est la pluie Assalfo. Va faire que Assalfo va continuer à faire cette tournée comme il veut. Assalfo va pas être dans le conseil économique et social. Assalfo va pas être ce grand homme-là qu'il est. Non, les gars, si je défends Assalfo, je n'attends rien en retour. Mais j'aime pas quand ça chante sur ce genre de personne. Vous vous rappelez, quand vous vous acharniez, sur le mot-là, et ça continue, même si on a dosé un peu. J'ai toujours fait des vidéos sur mon YouTube pour dire que arrêtez un peu, vous exagérez. On ne peut pas faire l'unanimité, mais arrêtez d'incriminer toujours les gens, arrêtez de toujours accuser les autres. Mais quand vous écoutez cette vidéo-là, quand vous écoutez bien l'émission et vous écoutez les propos de Tamsi, c'est là que vous voyez que ne regardez pas Internet, ne regardez pas Facebook pour détester les gens, quoi. Parce que ce que Tamsi disait dans la vidéo, dans l'émission, était drastiquement
drastiquement différent de la réalité. Différemment de tout cet acharnement médiatique autour de la personne de Assal Faure. Parce que son idole, c'est Assal Faure. Il dit qu'il veut avoir l'intelligence d'Assal Faure. Je vous invite à aller écouter intégralement l'émission. Allez écouter les propos. Faut pas qu'on vous berne avec une vidéo ralentie. Vous venez dire que ah, Assal Faure, c'est le sorcier de la musique ivoirienne. Assal Faure fait énormément pour ces choses ivoiriennes. Parce que pendant que Tamsi est en train de faire son coup du matos, il a succès là. Lui, il est triple disque de diamant. Et disque de diamant chose en France. Magic System, c'est pas n'importe qui. Vous devez mettre ça dans votre tête. Et tout ça, c'est grâce à l'intelligence d'un seul homme. Il s'appelle Assal Faure. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Plus vous faites ça, plus vous grandissez le gars. Donc arrêtez de vous épuiser. Voyez-vous vous épuiser gratuitement. Ça ne va rien changer à sa carrière, ça ne va rien changer à sa personnalité, à son influence, à sa puissance dans ce showbiz-là. Assal Faure n'a pas besoin de boycotter Tamsi pour être Assal Faure. Parce que, bien qu'on fait le bruit, mais l'hymne officiel de la CAN, c'est son groupe Magic System, Yemeladé, et puis le truc des Nigériens, là. C'est ça qui est l'hymne officiel. C'est vrai que le coup du marteau a surplanté ce morceau-là, mais hein, quand on parle de l'hymne, on ne parle pas du coup du marteau, hein. Voilà. Donc, arrêtez. Arrêtez les dents. Arrêtez les dents. Et je ne suis pas un corrompu. Voilà. Je ne suis pas un vendu. J'essaie juste de dire la vérité. Voilà. Parce que moi, je m'entraîne jamais par la masse. Non, 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 non. Je me mets dans un groupe pour détester quelqu'un. Je n'ai pas fait ça. Il réfléchit. Je fais mon propre jugement. Et puis, il vient parler. Donc, ne vous fatiguez même pas. Bon, les Maliens. Si vous avez perdu, c'est pas à cause de quelque chose, hein. Vous aviez trop confiance en vous. Vous aviez trop, trop confiance en vous. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est qui a précipité votre chute de façon insolite, parce qu'on légalise à la dernière minute du temps réglementaire, à la deuxième mi-temps, et on vous élimine à la dernière minute du temps réglementaire, de la deuxième mi-temps de la prolongation. Voilà. C'est juste pour vous dire que Dieu est au-dessus de votre haine. Je ne dis pas que tous les Maliens sont haineux. Non, 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 non. Mais il y a eu trop de vidéos, il y a eu trop de blogueurs, il y a eu trop de panels où les gens avaient une haine viscérale contre l'équipe de Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre le politique et le football. Voilà. Ils se sont mis dans leur émotion et ils ont commencé à incriminer, à jalouser, à haïr ce peuple frais-là. Voilà. Moi, je dis, je le répète encore, quand je parle, je réfléchis toujours avant de parler. Je ne parle pas de tout le peuple malien, mais je dis, parmi vous, il y en a nombreux qui ont une haine viscérale vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas normal. C'est ce qui a précipité votre chute. C'est ce qui a amené votre élimination. Sinon, vous êtes une très, très bonne équipe. Très belle équipe. Performante. Pour moi-même, c'était la deuxième meilleure équipe derrière le Sénégal dans cette CAN-là, au regard de la prestation. Parce que vous avez un bon fond de jeu, vous avez de bons joueurs. Mais vous ne pouviez pas gagner parce que ce n'était pas du fair play. Pendant que nous, on était dans notre pays, on pouvait zailler pour que vous gâtiez notre note. Non, on est resté cool. On est resté sympa. On est resté humble. Ne serait-ce que pour 120 minutes de jeu. Dieu a eu pitié de nous. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé. Vous savez très bien que les liens de fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas finir aujourd'hui. Il y a seulement des brebis galeuses qui vont vouloir finir forcément coûte que coûte entacher ces liens-là. Mais je sais que parmi vous, il y en a de beaucoup intelligents. Et je salue franchement Renatis Ibawan, qui a, Ibawan, excusez-moi, Sidi qui a été vraiment un promoteur de paix, un ambassadeur de paix, qui a fait des postes pour appeler à l'accalmie, pour appeler vraiment au calme, qui a appelé à beaucoup de responsabilités durant cette confrontation-là. Et pour un stade qui a réuni plus de 40 000 personnes, il n'y a eu aucun incident. On vous a éliminé gentiment et la vie continue. Voilà. Quand vous voyez des personnes prendre un bélier, lui faire porter le maillot de la Côte d'Ivoire et immoler le bélier, vous pensez que Dieu est seulement pour vous. Dieu est au-delà et au-dessus des forces mystiques. Vous devez mettre ça dans votre tête. C'est ce qui a précipité votre chute. Et puis vous allez voir, vous n'allez pas croire qu'on va soulever cette coupe-là. Parce que vous avez bien remarqué, nous, on est tellement hospitaliers, on est tellement faible dans tout ce qu'on fait que vous n'allez jamais voir un Ivoirien lorsqu'il perd un match ou bien lorsqu'il est éliminé d'une compétition, venir accuser l'arbitre ou bien venir accuser le camp adverse. Ça, c'est pas dans notre truc, ça. Parce qu'on sait ce qu'on appelle le fair play. On sait ce que c'est que le fair play. Vous avez souhaité, vous étiez sûr que vous allez nous gagner. D'autres disaient 4 à 0, 3 à 0.
On va vous gagner dans votre propre pays. Alors vous avez oublié que c'est la Côte d'Ivoire. Et j'aime à le dire toujours, depuis la nuit des temps, beaucoup d'événements sont survenus dans ce pays pour montrer que ce pays-là était la terre promise. Je me demande même si le jardin d'Éden même n'était pas en Côte d'Ivoire ici. Voilà, je me demande si le jardin d'Éden n'était pas en Côte d'Ivoire ici. Parce que je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé là. Le match était trop spirituel. C'était trop fort pour toi, pour moi, même pour les supporters que nous sommes. Les gens ont fait tous les sacrifices de la terre pour que la Côte d'Ivoire perde. Mais comme Dieu, qui est là-haut, celui qui a le dernier mot, et c'est en lui que nous croyons, il nous a donné ça. Vous pouvez dire, hey, calmez-vous, c'est moi qui décide. Si vous voulez aller voir le plus grand marabout de la terre pour qu'il fasse toutes les incantations, tous les sacrifices pour que la Côte d'Ivoire soit éliminée, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est peine perdue d'avance. Respectez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. On fait la meilleure CAN de tous les temps, jamais organisée en Afrique. Tout est là. L'accueil même, on n'en parle pas. On ne discute pas. On vous accueille bras ouverts. Tu n'as pas entendu qu'ils ont frappé un Malien ici. Tu n'as pas entendu qu'ils ont frappé un Sénégalais ici. On est au-delà de ça. Parce qu'on sait que nous sommes un pays, naturellement, que beaucoup d'hommes jalousent. Et c'est ce qui fait notre force, qui fait qu'on n'arrive même pas à être violent. Sinon, la violence, ça nous connaît. Renseignez-vous bien. Mais on est au-delà de ça. Donc, beaucoup de Yako à l'équipe du Mali. Parce que moi, si vous ne savez pas, moi, j'ai des parents maliens. Voilà. Mais je ne pouvais supporter que la Côte d'Ivoire parce que je suis tellement fier d'être Ivoirien. Yako, à ces Maliens responsables, hein, qui ont reconnu leur défaite et qui ne sont pas rentrés dans les considérations de l'arbitrage, l'organisation, le staff, de la CAF et tout ça. Malheureusement, vous vous retirez de la CAF. C'est que vous n'allez plus jouer la Coupe du Monde. Vous n'allez plus jouer la Coupe d'Afrique. Vous allez organiser votre compétition. C'est ce que les gens ne savent pas en fait. On se lève face à un coup de tête pour prendre des décisions. Quand vous partez au Mondial, vous partez sous tutelle de la CAF. Vous partez sous la tutelle de la CAF. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Je ne sais pas qui vous l'a conseillé, à quoi vous avez pensé. Mais on verra parce que je pense que vous êtes normalement qualifié pour la Coupe du Monde. Je pense. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez revenir sur votre décision? Ou est-ce que vous allez décider de ne plus être une nation de football? Tout est entre votre main. En tout cas, beaucoup de courage encore et félicitations à l'équipe de Côte d'Ivoire et surtout, félicitations à notre coach Faye MS.